vous, il vous prend sur cette caméra. Voilà, sur cette caméra. Eh ben voilà. Oh bah si, chacun sa caméra. C'est bon pour vous ? Clap. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Comment vous allez ? Ah bah, formidablement bien. C'est vrai ? Oui, très très bien. Bon alors, vous me disiez tout à l'heure hors émission que c'était votre première fois ici à Aix-les-Bains. Exactement, je découvre cette ville entre lac et montagne et je trouve ça magnifique. Je trouve que vous avez des paysages, une végétation extraordinaire et surtout un nombre de très bonnes tables, incroyable. On mange bien. Ah, moi je suis très gourmande et j'apprécie la très bonne cuisine. Là, on est vraiment dans un endroit où il y a une qualité, une quantité incroyable au rendez-vous. Hein, eh oui. Pour bien manger des tables extraordinaires. Vous reviendrez alors ? Ah mais oui, dès que je peux. Oh. Et si possible au festival du cinéma. De l'année prochaine, la deuxième édition de l'année prochaine. D'ailleurs, si comment possible. Vous avez réagi quand on vous a téléphoné pour venir participer à cette première édition ? C'est un honneur de faire la première édition, d'être les pionniers un peu de cette première édition. Oui, j'ai trouvé ça très sympathique. Et je me suis dit, c'est bien, de toute façon, un nouveau festival qui naît. C'est une promesse de bonheur. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un peu une parenthèse formidable de. Comment dire et l'opportunité, l'occasion de venir faire une petite cure de cinéma. C'est génial. Parce qu'il y a plein de films. La sélection est extraordinaire. La sélection est très bonne. La sélection des films est extraordinaire. Est très bonne. Et donc là, on découvre plein des films en avant-première. En avant-première. Une petite peluche là sur le nez. On découvre des films en avant-première, mais extraordinaires. Extraordinaire. J'en ai déjà vu trois. Et alors, super. Bon, voilà. Alors Cyrielle, après des études à la Sorbonne, où vous obtenez une maîtrise en sciences économiques, vous décidez finalement de partir dans le théâtre. Comment c'est venu ? Ah ben oui, j'étais mal barrée pour la vie d'artiste. Ah ben oui, là sur le principe... Mais bah écoutez, c'était à mon époque, parce que vous êtes très jeune encore, c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir un bagage pour pouvoir avoir un métier. Un bon salaire, tout ce qui va avec. Un bon salaire, oui, de gagner sa vie, être indépendante. Mais finalement, je me suis aperçue que j'étais terriblement attirée par autre chose. Et notamment, il y avait une fibre artistique en moi qui ne demandait qu'à s'exprimer. Qu'à s'exprimer. Et je ne connaissais rien du tout à ce métier. Ni personne du tout. Du métier. Alors je suis allée dans le premier cours d'art dramatique dont j'ai entendu parler, c'est-à-dire c'est le cours Simon. Et ensuite, voilà, j'ai passé des auditions. Et c'était parti. Et voilà. D'ailleurs, fin des années 70, c'est Jean Le Poulain qui vous engage à la Comédie Française. Quel souvenir ? Ah non, ça c'était en 88. Ah, en 88, pardon, c'est de ma faute. C'était alors, en 88, exactement. C'est Jean Le Poulain qui vous engage à la Comédie Française. Alors, quel souvenir vous gardez de cette période ? Bah, c'était extraordinaire parce que j'étais engagée pour jouer Hélène de Troie dans une merveilleuse pièce de Jean Giraudoux qui s'appelle La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et tout d'un coup, de rentrer dans cette grande maison. C'était mythique, c'était un grand privilège. Donc vous en gardez un très bon souvenir de cette période. Oui, oui, oui. Et j'ai encore des très bons camarades que je continue à revoir, des camarades du français. Moi, après, j'ai une autre vie, je suis partie vivre aux États-Unis, donc j'ai été obligée de lâcher la comédie française. Mais ça a été un passage merveilleux, dont je garde un souvenir formidable, une manière de travailler, une manière de jouer. C'est une école. Oui, aussi. En soi-même, c'est une école. Par la suite, vous allez même partager l'affiche avec Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel. Alors, c'était ça, c'est quelque le cinéma. Chose de se retrouver face à Jean-Paul Belmondo. Là, à nouveau, une grande chance. Là aussi. Une grande chance. C'est un directeur de casting qui n'est plus là maintenant, qui s'appelle Margot Capelier, qui m'avait donc casté pour ce... En fait, c'est très drôle d'ailleurs, parce qu'elle m'avait casté pour l'autre personnage. Et finalement, vous avez joué Alice. Et alors, attendez. Donc, j'arrive dans la grande salle chez Ariane Film. J'arrive dans la grande salle de conférence où tout le monde était réuni, les deux producteurs, le casting directeur, le directeur de la photographie, le metteur en scène, Georges Hotner. Et puis, quelques minutes après, arrive Jean-Paul. Et Jean-Paul Belmondo, il salue tout le monde avec son grand sourire, son magnifique bonne humeur et énergie. Et puis il vient me voir, il me salue et il regarde tout le monde et il fait « Alice ?» Et moi, j'étais venue pour l'autre rôle. Mais Alice, je savais très bien ce que c'était comme rôle. C'était le rôle de l'amoureuse de Jean-Paul. Évidemment que j'avais envie de ce rôle. Et alors,
C'était très amusant. Là, il y a eu un moment suspendu. Les producteurs se sont regardés avec le metteur en scène. Et ils ont dit « Alice ». Donc j'ai vraiment été choisie par Jean-Paul pour jouer Alice. C'était extraordinaire. L'anecdote est super. Ah, c'était génial. C'était génial. Vous jouez également à plusieurs reprises sous la direction de Claude Lelouch. Il fait partie des réalisateurs qui vous a marqué, qui vous a influencé dans le jeu, dans cette vision du cinéma. Alors Claude, il fait un cinéma très particulier parce que c'est le même film. C'est-à-dire qu'il parle que d'amour, Claude. C'est vrai. Et des relations entre les hommes et les femmes. Et il y avait un film qui n'a pas été fait, auquel j'aurais dû participer, et qui là me donnait un plus grand ampleur et un plus grand film, mais il n'a pas été fait. Sinon, j'ai fait des plus petits rôles, mais dans 3 films de Claude. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, parce que Claude, il a son univers. Bien à lui. Il aime les acteurs, et ça, c'est un bonheur et un privilège. Voilà, donc c'était des petits rôles, mais bon... Attendez, je suis encore là. Il est encore là. Donc, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Un vrai grand rôle chez Claude Lelouch, ça me plaît bien. Moi, je suis pour. Ah, merci. Alors, en 2001, vous êtes nommée chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Comment vous avez vécu ce moment? C'est génial, c'est un beau moment, non? Écoutez, j'étais très surprise qu'on me nomme chevalière et très honorée. C'est vrai que j'ai toujours défendu la langue française. J'ai également essayé de mettre en lumière des auteurs qui ne l'étaient plus, comme René de Obaldia qui vient de nous quitter, qui est un grand dramaturge et qui est un grand poète français et j'ai toujours aimé profondément la langue française et les poètes par-dessus tout, bien sûr. Et tout ça a fait que on m'a nommé, et donc je trouve que c'est un grand prix. Et maintenant, il faut que je sois à la hauteur privilège. Ça met une petite pression quand même. Oui, tout à fait. Pour continuer à faire cette défense de cette langue magnifique, la langue de Molière, comme on dit, mais la langue de toute la France et de tous les Français et des Belges. Vous savez qu'il y a un nombre de Belges. J'ai joué un auteur belge qui d'ailleurs est de langue qui s'appelle Hippolyte Wouters, qui est de langue originellement flamande et qui maîtrise le français d'une façon extraordinaire. Et j'ai joué de lui une pièce en alexandrin moderne. C'était extraordinaire. Voilà, moi c'est ce que j'aime. J'aime découvrir des auteurs qui ont un poids dans l'expression et qui utilisent au mieux cette langue qu'on a la chance de pratiquer et de pouvoir parler, et qui est une langue très belle. Et j'espère qu'elle ne va pas sombrer et s'engloutir dans les franglismes, dans les barbarismes de tout poil. On est bien d'accord. Hein, voilà. Cyrielle, quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune comédienne qui rêve de théâtre et de cinéma aujourd'hui? Quel conseil vous donneriez? Quel conseil? Eh bien, de suivre son cœur et sa passion, et de ne pas se décourager. C'est un métier qui n'est pas facile, parce que c'est un métier assez cruel, un peu plus pour les femmes encore que pour les hommes, mais je crois que quand on a une passion, il ne faut pas passer à côté. Si vraiment c'est quelque chose qui vous appelle, il faut essayer. Essayez de tout votre cœur, de tout votre âme. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais il faut se donner la chance. Il faut se donner la chance. C'est un beau message. Parce que ce métier, cet univers a envie de découvrir des personnalités multiples et originales. Donc n'ayez pas peur de votre originalité et allez-y dans ce que vous êtes. Et peut-être aussi pour compléter ce petit conseil, si je peux me permettre, bien sûr, c'est soyez authentique. Soyez l'authenticité. Vous-même. Voilà, soyez authentique, soyez vrai. Bon, merci Cyrielle pour ce moment. Merci en tout à cas, vous. Vous avez un regard magnifique en vous temps et vous êtes une très belle personnalité. Merci de nous avoir accordé ce petit moment. Et vive le festival du cinéma français d'Aix-les-Bains. Merci Cyrielle. Je suis très heureuse et à l'année prochaine. Je vous attends l'année prochaine. D'accord. Je vous embrasse. Avec grande joie. Merci. Merci.